Allora, in prima c'è stato un avvenimento sproposito, ci sono centinaia, c'è più di mille persone, forse mille cinque, chi sono qui, chi sono venuti per fondare veramente la dimarchia di Vemagorska. Allora è sicuro che non c'è mica solamente i militanti nazionalisti, non c'è mica solamente gli enti che sono politici, ci sono enti della società civile, c'è un poco tutto il mondo e questa volontà maggiore di va. Dunque qui si corrisponde allo stesso tempo a Di Marchia che no, e mi è voluto mettere in piazza due anni fa, forse di più, ma soprattutto ciò che non volevamo fare che è stato deciso alla fine del mese di luglio. C'è, diciamo, un funzionamento democratico assai, nel senso che c'è un consiglio che deve praticamente espressione di diversità che esiste, che dia a direzione maggiore di un partito generale. C'è di noi una piazza fatta alla società civile, c'è di noi una volontà di promuovere l'attitudine e le procedure democratiche in tutti i lati di un partito, una volontà di essere più aperti all'internazionale, dunque c'è praticamente puntelli maggiore e diceremo la volontà scritta, detta, di fare di un militante l'arnese maggiore dell'insieme di strategia e dunque di avere un partito al servizio militante e mica la ringrazio al contrario, dunque di veramente un affare maggiore e penso che ci può mandare in maniera serena. Je crois que même si on est en contexte électoral, à travers le fait d'avoir choisi de consacrer, sans rien délaisser par ailleurs, beaucoup de notre énergie militante, des centaines de personnes, je l'ai dit, qui ont travaillé à la construction de cet outil, montre bien que nous avions une vision stratégique qui est bien sûr connectée aux enjeux électoraux, mais qui les dépasse. L'élection n'est jamais une fin en soi, c'est un moment extrêmement important de la vie démocratique. Ça permet aussi au peuple de s'exprimer et éventuellement à la majorité territoriale nationaliste, je l'espère, d'être reconduite. Mais gagner les élections, ce n'est pas une fin en soi. Si nous nous présentons aux élections, si nous nous engageons, c'est pour faire avancer la démocratie, c'est pour développer l'agriculture, l'économie, pour permettre à ce pays véritablement de se projeter dans le 21e siècle, dans une logique d'émancipation pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Et lorsqu'on voit l'immensité du chantier qui est devant nous, on se dit qu'il y a encore beaucoup à faire, mais en même temps beaucoup d'optimisme. Je pense surtout que c'est une étape dans une démarche difficile. Igor, c'est à Zanou. Ci siamo stirpati più di 50 anni, 60 anni, a provare a farli capire che la politica in corso non era mica una, perché non c'era mica democrazia, perché lo c'era un sistema clanista, perché la Francia è tutto un paese ipercentralizzato. Lo cheminement ha été extrêmement long. E poi è venuto il tempo delle vittorie, delle sofferenze, dei lani, delle giustizie speciali. E progressivamente le corse sono accedute a una certa maturità, l'hanno provato à travers des scrutins qui nous ont permis d'accéder aux responsabilités d'abord à la ville de Bastia, puis ensuite à la collectivité territoriale, et puis ensuite aux dernières législatives, 3 sièges sur 4, et puis ensuite un gage de confiance de l'Europe, puisque le président du conseil exécutif a été nommé président de la commission des îles de l'Union européenne, nous parlons de 25 millions de personnes, mais aujourd'hui le problème n'est plus là. Aujourd'hui le problème c'est que la France a changé son président, s'il n'y a que de nouvelles institutions, et qu'en Corse, ce qui nous préoccupe, c'est la tentative d'émergence de ce qu'on appelle un front républicain. Je pense qu'il est tout à fait possible que des gens de droite et de gauche s'allient pour concourir aux élections, y compris contre nous. Mais il faut que tout cela se fasse dans la démocratie et dans la clarté. Et il ne faut pas que l'État donne la main à des procédures qui soient des procédures illégales, qui rappellent trop aux Corses les mauvaises pratiques hier et d'avant-hier. Moi je crois qu'aujourd'hui nous sommes au pied du mur, nous sommes européens, nous sommes pour un statut d'autonomie interne au sein de la République française, c'est-à-dire sans les pouvoirs régaliens, la police, la justice, restent, les affaires étrangères restent dans la compétence de l'État. Nous sommes européens. Nous sommes méditerranéens, mais nous voulons gérer nos propres affaires nous-mêmes. Et je crois que la bataille qui vient, celle des législatives et en même temps celle de la création d'Agulidiguida Uniga, c'est-à-dire d'une forme quand même de décentralisation plus intéressante regroupant le département, est quand même un premier pas. Mais il nous faut un statut d'autonomie interne.